Hop là. Oh ouais. Ok. Faut que je commence, sinon il faut juste que je commence. C'est bon, ça du coup c'est sûr c'est bon aussi. Waouh, c'est débile ce que je dis. Ouais, voilà maman, je suis au Vietnam, hein. C'est un truc de ouf. Mais en vrai, j'arrive pas à y croire. Parce que quand je dézoome sur Google Maps, je suis beaucoup trop loin sur le globe. Là. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais pris l'avion. Donc c'est une toute nouvelle expérience pour moi. Déjà juste de faire le trajet pour aller à l'autre bout du monde. Et en plus, on part à l'autre bout du monde, donc c'est quand même une belle dinguerie. L'idée de ce projet, c'est de prendre la même bande de potes qui se connaissent depuis des années et de les emmener à l'autre bout du monde, au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, et d'essayer de faire un film. Moi, j'ai toujours rêvé de partir le plus loin possible de Rennes, je crois. Ça part en Asie, là. Franchement, il caille, on est à Rennes, on est en novembre. On décide de fuir l'hiver cette fois-ci, direction l'Asie. Et là, ce voyage, c'était vraiment l'occasion pour moi de découvrir une nouvelle partie du monde. Partir à 10 000 km de chez soi, ça fait toujours quelque chose. J'ai trop hâte. Là, on a juste vu la ville de l'avion quand on a atterri et ça a l'air d'être incroyable. Il y a des bâtiments partout, c'est une jungle de bâtiments en fait. Mon envie première, c'était vraiment d'être dépaysé et d'arriver et de plus avoir de repères en fait. Je viens d'arriver au Vietnam là et moi et Mehdi, on n'a pas de visa. Enfin, on a un visa, mais il n'a pas été accepté. Faut savoir que nos visas, ils étaient en process. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas acceptés encore. On les a même pas reçus en PDF ni rien. Mais là, si je me fais contrôler, je crois qu'en fait, ils me renvoient. Enfin, ils me tègent, vu que j'ai pas mon visa. J'espère que je vais le recevoir. On est déjà bien dépaysés dès qu'on sort de l'aéroport. Il y a une vague de chaleur. Tout le monde prend une petite gifle. Oh, il fait chaud. Wesh. Wow, wesh. Wow, ça casse. C'est énervé. Je suis déjà essoufflé. C'est quoi ce bordel? Par contre, c'est magnifique. Mais là, il fait beaucoup trop chaud, c'est une dinguerie. On arrive, on se fait assommer par la chaleur. Quand on marche vers le Airbnb, je regarde, je me mets un peu derrière et je me rends compte qu'on est 9 à l'autre bout du monde et on va faire une dinguerie. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est de se dire qu'il y a 8 potes avec moi, aussi déter. On est là depuis quelques minutes et déjà, on voit... Enfin, il y a plein de petits trucs qui nous choquent. Là, il y avait un flic sans casque sur un scooter, mais c'est quoi ce pays là? Je crois qu'on va bien s'amuser, hein. Vraiment, ça nous hype tellement fort là. Là, on commence à marcher vers le Airbnb. Il y a plein de trucs qui nous dépaysent à mort. On voit plein de scooters. On est obligé de passer sur la route. Il n'y a même pas de trottoir. Genre, c'est vraiment dépaysant. Genre. En un claquement de doigts, ça, tu sais que t'es ailleurs en fait. C'est un truc de fou. Allô ? On se rend compte de l'environnement qui est autour de nous et dans quoi on va évoluer pendant 3 semaines. On a marché en ligne droite pendant quasiment 1 heure et la circulation elle s'est pas arrêtée une seule fois. C'était un flux constant de scooters. Vraiment comme j'avais vu en vidéo en fait, c'est pas des clichés. Tu vois une nouvelle vie en fait, tu découvres une nouvelle culture, tout ça. Déjà on est sur le chemin pour aller au Airbnb et on a déjà la tête rivée vers le haut. On voit déjà quelques trucs qu'on pourrait faire. Il a dit à peu près 20, et si c'est 20, ça se fait. En fait, c'est incroyable parce que c'est une nouvelle sorte de tourisme. Parce que les touristes, ils regardent comme ça, nous, on regarde comme ça. Et on va en trouver des rooftops. Vraiment, on va faire des clips de fou. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on va bien charbonner. On n'est pas là pour faire du tourisme, on est là pour visiter les toits et pour faire un maximum de moves et de roof gap. Et l'idée du projet, c'est vraiment de faire ce qu'on fait en France et en Europe en général, de faire du parcours entre potes, de voyager, mais de casser tout ce qu'on connaît, toutes nos habitudes, toute notre zone de confort et de l'emmener à l'autre bout du monde et essayer de voir ce que ça fait en fait. Dans les rues qui mènent au Airbnb, c'est tout sale, on est dans une sorte de mini bidonville. Il y a des cafards et tout qui pullulent de partout. C'est incroyable, ouais. Et au final, on arrive dans un Airbnb bien clean. Ça, c'était bien cool. On se rend compte qu'on va pouvoir bien se reposer, contrairement à d'autres trips où on dort dehors. Là, on découvre que l'Airbnb, il n'est pas en large, mais il est en long. Il est en hauteur. Et moi, comme un teubé, je prends la dernière chambre. Je savais pas que j'allais en bouffer des marches, en fait. Avec toute la reco qu'on allait faire, tout ça. Là, on a posé nos sacs, tranquillou. Et on se dit qu'on va aller manger, parce que là, on a faim. On commence un peu à chercher un restaurant près du Airbnb, parce qu'on va pas trop aller chercher à Bebelwed. On trouve un restaurant, genre, juste devant. Ça s'appelle Papaxot. Et là, on se prend des grosses plâtrées, mais là, c'était nécessaire, là. On se met bien, on mange, tout ça. Et là, on rentre au Airbnb. On dort, mais on dort tous à 21h, un truc comme ça. Le premier jour, on se lève à 4h du mat, parce qu'on est complètement décalé avec l'avion. Il est 5h du mat, et en fait, avec Vlado, on n'arrivait pas à dormir. C'est assez marrant, en vrai, ces petites rues-là. Les gens, ils dorment directement... Ouah, il y a plein de chiens.
C'était trop bizarre parce qu'on dormait et tout. Genre on est en pleine ville mais t'entends les coqs à 4h du matin. C'est ouf. Et on se dit que c'est le moment d'attaquer le repérage. Du coup on perd pas une seconde, on part dehors et c'est le moment d'explorer la ville. Il y a plein de fruits. Apparemment faut pas manger les légumes crus. Mais par contre les fruits si on enlève la peau c'est bon. Il y a des odeurs mais genre c'est abusé. Là c'est le spot que Louis préfère. Là je suis heureux parce que ça ressemble un peu à une boulangerie mais c'est des trucs d'ici. Du coup on va tester un peu là. Il faut qu'on teste la culture là. Je regarde mon tel 5h et je me dis what? Bah je vais voir si on peut aller sur notre roof. Je monte, il y a une trappe. Et petit à petit tout le monde est monté, c'était assez marrant en fait. Je voyais chaque personne sortir de la trappe. Et comme ça on était tous là, waouh mais ça va être fou. Enfin genre on découvre cette ville et ça va vraiment être quelque chose. Et là on était vraiment hyper content d'être ici. Première journée de repérage, donc on se disperse en plusieurs groupes pour être plus efficace. On s'est divisé en team de deux et là avec Romain on se dirige vers des gros bâtiments qu'on a repérés. J'espère que ça va être propice à faire du parcours. De toute façon là, plus on fait de roues, mieux c'est, on va monter sur plein de toits. Et moi je me mets avec Louis et on commence à chercher des battes et Louis il a fait beaucoup de repérages. Louis il est vraiment chaud là-dedans, il Google Maps, son application préférée. Et juste à côté de nos Airbnb là, le bat il est vraiment juste en face de moi. C'est un des hôtels les plus grands d'ailleurs de Ho Chi Minh. Ah ouais, on s'est dit vas-y on va le faire en premier. Comme ça c'est fait, on pensait y aller avoir une sécu et tout devant. Y'a rien du tout. On peut rentrer, on peut sortir, tu peux faire ce que tu veux. Et faut savoir que quand t'es européen ici, t'as une carte joker. Tu rentres partout où tu veux. Et si t'as le bonus yeux bleus comme Romain ou Jerem, mais là c'est fini, t'es une star en fait. Tu rentres partout dans tous les hôtels, c'est un truc de fou. Moi j'ai trop hâte de voir ce qu'on va trouver là-haut. Déjà est-ce qu'on va pouvoir accéder au tour. En vrai on sait pas du tout encore comment c'est fait, c'est vraiment la première fois qu'on essaie de faire des bâtiments là. Y'a un mec qui vient nous voir et là on se dit ouais non. Il vient nous demander notre numéro de chambre. Y'a un another zero. 3005. 3005. Yes. We don't have this room. We don't have. Là, il va nous tèche direct, genre on va bégayer un truc. Yeah, number. 3105. Thank you. Lui, il dit 3105, alors qu'il n'y a même pas 30 étages. Et le mec, il fait OK, il me donne des serviettes. Et là, on commence à se baigner. Incroyable pour commencer ce trip, pour se détendre un peu après ce long trajet en avion là. On a une petite piscine avec la vue sur la ville, c'est magnifique. Ouais, je pense que la piscine, en fait, on peut la prendre comme un petit checkpoint en fait. Genre, t'arrives dans la piscine, elle est tellement bonne et ça fait redescendre la pression. Genre 5-10 minutes dans la piscine, tu te mets bien, tu réalises que t'as une vie de malade là, tu regardes la vue, c'est un truc de fou. Et genre après ça repart sur d'autres battes hein, et ça fait plaisir. Hein. Là ça va être moins chill par contre. Là on va attaquer le dur, on va essayer de trouver des gros sauts. C'est que le début là, ça va être une grosse dinguerie. Devant chaque entrée de bâtiment, il y a un gardien qui est là, habillé à moitié en flic. Ça va être chaud parce qu'il va voir que bah, on n'est pas du tout du bâtiment et il va falloir qu'on arrive à ruser le truc. Pour pouvoir rentrer. Ouais. Bon là avec Romain on a trouvé des escaliers extérieurs dans une cour d'immeuble et on va essayer de prendre de la hauteur. Parce qu'en fait la ville tout est vachement resserré. Tout est en hauteur dans cette ville. Il y a plein de battes. Donc en fait on s'est dit bah, le plus malin c'est de prendre un maximum de hauteur pour trouver le maximum de spots. Et là je sais pas combien d'étages on a à grimper là. Mais il y en a un bon paquet. Je crois qu'on va en grimper des marches pendant ce voyage. C'est mon nid. On arrive tout en haut là avec Mathieu. Oh, ça fait bien plaisir là. Après autant de marches. Et ça a l'air d'être un truc en travaux en fait. Faut faire gaffe s'il n'y a pas des gens. Wow. Ça qui fait plaisir, c'est qu'on a accès à plein de visuels qu'on n'a pas quand on est en bas en fait. La première impression qu'on a, c'est que bah, y a énormément de toits en tôle verte. Bah, ça c'est mort, on peut pas bouger dessus.
Donc il va falloir vraiment qu'on trouve des toits solides en béton. Et ça va être un petit peu les perles rares, j'ai l'impression, parce que là c'est un peu le bordel de toit là. Là je pense qu'il y a un truc à faire là-bas là. C'est peut-être, il y a peut-être des roof gaps, mais je pense qu'il y a beaucoup de lines en fait à faire. Je pense qu'il y a pas ça. De toute façon faut aller checker, voilà, sûr. Donc au début c'est ça, c'est vraiment on se pose pas de questions et on monte sur plein de bâtiments et on essaye de trouver des trucs à faire. Au début, même s'il n'y a pas grand chose, on essaye de bouger un petit peu. Puis histoire de s'adapter un peu à la ville et de commencer à bouger sur les roofs, parce que c'est complètement différent de ce qu'on faisait à Rennes. Là avec Matt, on vient de se rendre compte que en fait, faut pas qu'on fasse des lines sur tous les roofs parce que notre énergie là, c'est vraiment ce qui va nous faire tenir pendant tout le séjour. Et si jamais on se crame dès le début, après c'est mort quoi. Donc là, on prend notre temps, on repère bien, là c'est que le premier jour, hein. On a le temps. Xing ciao. On essaye le plus possible de se réfugier de la chaleur dès qu'on commence à bouger. Et on se retrouve quand même souvent dans des petites supérettes où on peut aller et on se refroidit d'un seul coup et ça fait du bien. Fait que d'acheter de l'eau avec Romain, on est desséchés les gars. Oh, c'est terrible, j'ai trop soif. Romain il est violet. On va pas tenir deux semaines. Hein. Bon, on a rejoint Jérém, Vlad et Léo. Et là, ils vont nous montrer un roof qu'ils ont repéré. Donc on va voir s'il est accessible ou pas. Ils vont nous emmener. Ce qui est vraiment beau dans ce film, c'est que c'est l'aventure d'une bande de potes qui se connaît bien depuis plusieurs années, qui aiment vivre des moments ensemble. Mais on est tous différents en fait. On n'a pas tous les mêmes compétences et on n'est pas tous même des athlètes. Et puis il y a même certains qui n'ont jamais touché une caméra de leur vie. Donc c'est ça qui est drôle. Tout est un peu à l'arrache et c'est fait avec le cœur quoi. Là les caméras elles sont sur des pots de peinture parce que c'est il n'y a que ça qu'on a trouvé. Mais c'est ça qui est beau et je pense qu'il y a une espèce de synergie quand le groupe est totalement ensemble. Et c'est ça qui crée une énergie de ouf. Et quand on est tous motivés, quand on est tous focus et qu'on a fait une petite réunion en bas du bâtiment pour vraiment se partager les rôles, et souvent ça se passe très bien. Il y a plusieurs aliments et quand tu secoues le shaker, ça fait un cocktail qui est vraiment cool. Il faut adopter un espèce de sentiment de full confiance alors que t'es pas du tout confiant. Ça c'est le frérot de la sécu qui vient voir ce qu'on fait là-haut. Il y a moyen. On a 10 étages pour faire le truc. Faut trop qu'on arrive à monter parce que la light elle est incroyable. Là il y a une corde. C'est bon, on a réussi à ramener tout le monde. L'état du t-shirt, il est mort. T'as appris qu'il met sa main là et qu'on chope. Chopez-le. Dès qu'il arrive, chopez-le. Ah, c'est chaud. Oui, j'ai rien. Mets ta main là. Yes.
oui. En fait, ce qui m'a fait flipper, c'est qu'il n'y avait pas de rebord. Là, j'aurais chopé derrière, je pense que c'était mieux. Mmh. Bon les gars, c'est une fin de vidéo. Il y a un petit sunset derrière moi. Merci d'avoir regardé ces behind the scenes de notre film Civilisation qu'on a tourné au Vietnam, qu'on est en train de tourner actuellement, mais quand vous les voyez, le film est déjà sorti. Si jamais ça vous intéresse, il y a le lien du film qui est en description. C'est un lien Vimeo, donc voilà, vous pouvez le louer ou vous le payer et ça nous soutient de ouf et vous allez mater une singerie, donc franchement on y a mis tout notre cœur dans ce film. Si jamais vous êtes intéressé pour acheter les fringues qu'on a dans le film, toute la collecte Civilisation, vous pouvez retrouver tous les t-shirts, tous les pulls sur notre site, le lien est aussi dans la description. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.